J'invite Monsieur le Premier ministre Ransana Kouyaté. Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous. La diplomatie, le regard d'abord d'un économiste sur la diplomatie africaine au sortir de la colonisation, je dirais que dès la fin des années 50, par le Ghana, le Ghana en 1957, la Guinée en 1958, bon, je ne parle pas ni du Libéria ni de l'Éthiopie, qui se situent dans un autre cadre d'espèce. Je dirais que le premier acte diplomatique de tous les pays nouvellement indépendants était, d'asseoir leur reconnaissance par les pays. Et c'est-à-dire, les actions diplomatiques consistaient à appartenir d'abord aux Nations Unies, à être reconnues par les Nations Unies, ce qui était plus ou moins facile parce que c'était la période de la guerre froide où l'on était soutenu, n'est-ce pas, par l'Ouest où l'on était soutenu par l'Est. Toujours est-il que c'est la vocation de l'Organisation des Nations Unies qui a été créée depuis 1945 et qui faisait que tous les pays avaient le droit d'en être membres. Alors, l'affirmation de nos indépendances a fait qu'on ne s'est pas occupé comme il fallait. Les pères fondateurs même de nos pays ne se sont pas occupés fondamentalement de l'économie, à quelques exceptions près. Et je crois qu'il faut le noter. Il faut noter aussi qu'on appartenait à un monde bipolaire et finalement, ceux qui ont voulu créer un troisième mouvement, le mouvement des non-alignés, qui ne soit ni à gauche ni à droite, c'est-à-dire ni avec l'Occident, les pays occidentaux, ni avec les pays de l'Est, ont tenté donc de créer cette troisième voie, disant non-alignée. Y a-t-il eu un non-alignement véritable? Je ne le crois pas, je ne le pense pas. Parce que ceux qui en parlaient, en parlaient, mais en réalité étaient alignés d'une façon ou d'une autre par la nature des relations qu'ils avaient avec chaque camp. Et donc, le non-alignement a eu ses limites et malgré sa survivance, mais c'était une coquille quasiment vide. Alors, l'économie dont on aurait pu s'occuper véritablement et avec les accommodements faits entre nous et les anciennes puissances, ces accommodements ne nous ont pas laissé le temps de nous affranchir de l'état de l'économie de rente à une économie véritablement industrialisée. Et les exportations ont continué, et comme vous le savez, des pays qui sont tels que le Ghana, tels que la Côte d'Ivoire, les premiers producteurs de cacao n'ont pas eu le temps ou la politique requise pour créer des industries qui puissent compétir avec la Suisse qui ne produit pas de cacao ou avec la Belgique qui n'en produit pas non plus. Madagascar, seul producteur de vanille au monde à l'époque, seul producteur, exportait la matière première sans jamais la transformer. Et aux trois grands pays que sont les États-Unis, la France et l'Allemagne, qui occupaient à peu près 80% du marché de la vanille dans le monde. C'est dire que les
nos relations diplomatiques sont passées à côté de l'économie véritable. Nos pères fondateurs, les pères fondateurs de l'OUA étaient eux-mêmes divisés. Vous connaissez le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia, en un mot, les modérés et les radicaux se sont affrontés et cela a donné le résultat que l'on connaît. Mais est-ce que l'OUA était nécessaire? Oui, c'était même vital. Mais enlevons de notre esprit les idées reçues. L'OUA est différente, n'est-ce pas, de l'Union africaine, parce que l'Union africaine a visé autre chose. C'est l'intégration, c'est la fédération ou la confédération de toute l'Afrique. Je me rappelle, en tant que Premier ministre, avoir assisté à l'une des dernières réunions de l'OUA, à l'un des derniers sommets à Accra. Il y avait deux écoles de pensée. Ceux qui voulaient immédiatement créer un gouvernement africain avec toutes les structures requises, le Parlement africain, le Sénat africain. Bon, le Parlement actuel est une délégation parlementaire parce que ce n'est pas par suffrage universel, ce n'est pas désigné. Bon, ceux qui voulaient immédiatement de cela, et le guide de la révolution libyenne était à la tête de ce combat, et ceux qui disaient qu'il fallait respecter ce que le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, le premier président, avait appelé aller à un gouvernement africain par cercle concentrique, c'est-à-dire que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'IGAD, que ce soit l'organisation de l'Afrique australe, ceux de l'Afrique du Nord, enfin, ceux qui marchaient, ceux qui ne marchaient pas, il y en a maintenant plein d'ailleurs, qui se présentent comme une carte de zodiaque, parce qu'il y a des pays qui appartiennent à plusieurs organisations régionales qu'il faut rationaliser et qu'on n'arrive pas à faire. Donc, il y avait cette école-là. Le débat a été très houleux. Et je me suis permis de prendre la parole. Et avec l'accord des chefs d'État, bon, j'étais chef de la délégation guinéenne, et je leur ai dit ceci: Messieurs les présidents, commencez par le bas ou commencez par le haut, ça reviendra toujours au même si vous n'appliquez pas les décisions qui sont prises. Le problème de notre continent, c'est que les décisions qui sont prises ne sont pas appliquées. Et partiellement, quand on a posé le problème d'un passeport commun pour la CEDEAO, ça a donné l'objet de beaucoup de discussions. Au moment où j'étais à la CEDEAO, il a fallu remonter depuis les ministères des Affaires étrangères, les ministères d'abord de l'Intérieur, ensuite Affaires étrangères, pour en venir au chef d'État. Et aujourd'hui, cela est devenu une réalité. Mais je vais vous dire, mesdames, messieurs, que l'intégration, toute intégration, marche sur deux pieds. L'intégration physique par les routes, par la télécommunication, par l'électricité, l'énergie, par tout ce qu'il y a de physique qu'on peut faire entre les pays qui peut les rapprocher. Et cela, l'Afrique de l'Ouest en a beaucoup fait. On peut quitter Lagos jusqu'à la Mauritanie, quand la Mauritanie était encore membre, c'était plus évident, de la CEDEAO. Et ça, c'est ce qu'on appelait la transcôtière. Et la transsahélienne partait du Sénégal jusqu'à la frontière avec le Tchad, qui appartenait à une autre zone, la CEAC. Alors, ça, c'est le travail le plus facile, malgré tout. Quand on est au Togo, à l'époque, on veut appeler le Ghana, dont la frontière se trouve à Lomé,
La frontière entre le Ghana et le Togo se trouve à Lomé pratiquement. C'est lié aux vicissitudes de la colonisation, des différentes colonisations qu'ont subies certains pays d'Afrique, tels que le Togo, colonisé par l'Allemagne, colonisé par la Grande-Bretagne et colonisé par la France. Mais pour appeler d'un pays à l'autre, quand tu appelles du Togo pour avoir quelqu'un à Accra, tu passes par la France envoie à Londres et Londres transmet, n'est-ce pas, l'appel à Accra. C'était le long chemin à faire. Il a fallu des décisions hardies pour ramener le contact direct entre les deux pays, par le téléphone, par, n'est-ce pas, le fax, par tout ce qu'il y avait comme communication. Voilà des avancées qui sont faciles. Le deuxième pied de l'intégration, c'est l'harmonisation des politiques. L'harmonisation des politiques, que ce soit politique économique, politique sécuritaire, politique diplomatique, c'est excessivement compliqué. Compliqué parce que même les pays qui sont les plus avancés en matière d'intégration, on peut le dire ainsi, tels que l'Europe n'a pas une politique étrangère unifiée. Parce que ça joue sur l'histoire, ça joue sur la recomposition, n'est-ce pas, de ces pays. Donc, penser que l'Afrique aura immédiatement une diplomatie collective, il ne faut pas se leurrer. Ça sera étape par étape qu'il faut aller. En fait, même les intégrations, hein, les intégrations les plus rapides, ce sont des intégrations qu'on ne peut pas recommander aujourd'hui, parce que l'Amérique est devenue fédérale, fédération, par la guerre. Et quand on prend certains pays tels que le Cameroun en Afrique, on verra que c'est par la guerre est passée par là. Et ça continue d'ailleurs, les tensions entre le Nord et le pays anglophone et les pays francophones. Mais une intégration négociée, la chose la plus difficile, c'est l'harmonisation des politiques et surtout de la politique des relations internationales. Alors, aujourd'hui, que faut-il faire? Il faut que, tel que prévu par un acte de l'OUA, renforcer les organisations régionales et maintenir la dynamique de l'Union africaine et tout en renforçant l'interaction entre les organisations régionales. Cela est prévu dans la charte, n'est-ce pas, de l'OUA, mais je vous assure que la première réunion entre les organisations régionales ne s'est tenue qu'à la faveur du 25e anniversaire de la CEDEAO, qui était la première organisation créée en mars 1975, et j'ai pris l'initiative d'inviter toutes les autres organisations. C'était en fait la première réunion entre les organisations régionales. SADC, COMESA, IGAD, CEDEAO, etc., etc. Tous sont venus. Et Salim Ahmed Salim, qui était alors secrétaire général de l'OUA, était là aussi. Et j'ai commencé mon discours en disant que je leur souhaite la bienvenue. C'est une réunion qui aurait dû être organisée par l'OUA depuis déjà plusieurs années. Il faut que les décisions prises soient respectées. Et ça a servi parce que ça a permis de comparer le système d'intégration de la CEDEAO au système d'intégration de la SADC avec qui il y avait un rapprochement beaucoup plus réel. Mais vous voyez, les appréhensions qui existent pour l'intégration sont des appréhensions qui parfois sont fondées. L'Afrique du Sud, par exemple, se demandait, c'était avec le président Thabo Mbeki, et au cours d'une de nos réunions, il a dit qu'il ne comprend pas que les pays de la SADC, les pays membres donc de la SADC, que l'Afrique du Sud dirigeait à l'époque, se méfient des produits qui sont fabriqués en Afrique du Sud
est destiné pour le marché des autres pays. Je lui ai répondu, je dis, Monsieur le Président, ils n'ont pas tort. Votre productivité est plus élevée. Vos produits, même exportés et arrivés chez eux, coûteront donc moins cher. Et ils ont des industries, probablement du même type. Quand vous exportez chez eux et que leur industrie locale finisse par se désintégrer, alors c'est l'industrie qui aura tué une industrie. Je veux dire que c'est le commerce qui aura tué l'industrie. Au lieu de cela, essayez de mettre en place des unités qui, dans des domaines identiques, vont avoir à récupérer de la main-d'œuvre déjà formée sur le terrain. Et ce sont des petites choses qui existent, mais auxquelles on ne fait pas attention. Quand on crée à la CEDEAO la libre circulation des biens et des personnes, le tarif extérieur commun, la nomenclature douanière, tout cela participe. Et aujourd'hui, le SLECA, n'est-ce pas, est en train d'aller sur le même chemin. Mais il ne faut pas répéter ce qui a été le boulet que la CEDEAO, par exemple, a traîné. Un, il y a au sein même de nos pays des barrages qui ne sont même pas contrôlés par certains États. Entre le CEMA, la frontière entre le Nigeria et le Bénin, et jusqu'au Bénin, il y avait 32 barrages. 32. Un jour, en tenue banalisée, en voiture banalisée, et je me suis mis en route avec mes experts poursuivant un camion rempli d'oignons venant du Niger et destiné au marché ivoirien. Ils ont été arrêtés au moins 75 fois. Et à chaque point, il fallait payer un peu. Donc, du coup, l'oignon qui est arrivé en Côte d'Ivoire, parce que mes experts l'ont suivi jusqu'au marché, coûtait plus cher que l'oignon importé de la Hollande et qui était sur le marché. Donc, c'était une femme, ça appartenait à une femme nigérienne qui a dû vendre à perte, n'est-ce pas, ses produits. Alors, ce sont des obstacles qui font que l'intégration sera difficile. Puisque vous me dites le premier sujet, je le garde, quels sont les conseils que je peux donner? Parce que je peux continuer à développer tout ce qu'il y a à faire, mais ce qu'il y a à faire sera toujours, doit être fait. Il ne faut pas qu'on parle, que ce soit des résolutions. Je vous assure, on dit beaucoup de choses aujourd'hui qui se trouvent dans les résolutions, dans toutes les résolutions. Les conseils que je peux donner aux jeunes diplomates qui veulent embrasser cette carrière, premièrement, il faut qu'ils aiment la diplomatie. La diplomatie voulant dire quoi en résumé? Quel que soit le cadre, diplomatie des relations internationales, diplomatie même de déclenchement de guerre entre partis alliés ou de résolution entre les partis en conflit, quel que soit le type de diplomatie, il faut savoir qu'il y a une chose primordiale. La diplomatie se mène par le regard qu'on a sur sa politique intérieure. Un pays qui a une bonne politique intérieure peut aspirer à avoir des relations extérieures apaisées et sûres. Si la diplomatie veut dire qu'on est d'accord avec les résolutions de l'ONU, les résolutions de l'Union africaine, les résolutions de, je ne sais pas, l'OCI ou de ceci ou de cela, ça veut dire que les pays ont la même diplomatie, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est chaque pays désire quelque chose à obtenir par la négociation, si possible, mais par d'autres formes. Ce sont les diplomates, d'abord ça va jusqu'au missi dominici,
Ça a commencé par ça. Le bureau, il n'y avait pas d'ambassade à proprement parler. Mais les missiles Dominici faisaient ce travail de jonction, de va et de vient. La diplomatie est plus vieille que les diplomates. Donc, je dis qu'il faut penser à l'intérêt du pays. Quand vous prenez le bréviaire des États-Unis concernant leur diplomatie, le premier point, sauvegarde des intérêts des États-Unis. Ça commence par ça. Tout ce qui est mené au regard de cette réalité. Et nous ne devons pas échapper à cela. Donc, il faut tenir compte de cela. Il faut tenir compte du fait que, jusqu'à présent, la diplomatie africaine pêche par pratiquement un manque de communication fluide, réel, entre le chef d'État ou le ministre même parfois, et les représentants dans les organisations les plus importantes. Il m'est arrivé des choses à titre personnel quand j'étais représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie. Les membres, n'est-ce pas, les pays qui entourent la Somalie se sont retrouvés et ils étaient très fumasses en disant que l'ONU a placé son mandat en Somalie sous le chapitre contraignant, le fameux chapitre 7, où l'usage de la force est recommandé pour imposer la paix lorsque tous les moyens de négociation ont été vains. Alors, ils m'ont convoqué, c'était à Addis Abeba, j'ai quitté Mogadiscio, je suis allé à Addis Abeba. Ils étaient tous là. Mais j'avais là-dedans certains avec qui j'avais les atomes crochus, mais d'autres, non. Alors, un président a pris la parole pour me dire, monsieur le représentant du secrétaire général, l'ONU nous manque de respect parce que le Conseil de sécurité a pris cette résolution sans jamais nous avertir et placer ça sous la force. Alors, vraiment, c'était des boulets que je recevais et j'ai dû, quand il a fini, très poliment, très respectueusement, dire, monsieur le président, je vous comprends, mais je crois que la faute est du côté des pays africains. Bon an, mal an, trois pays africains représentent l'Afrique au Conseil de sécurité. Ce ne sont pas des membres permanents, comme vous le savez, mais c'est par roulement. Et l'ONU, le Conseil de sécurité n'a pas l'habitude de se déplacer. Bon, ils l'ont fait sporadiquement, par-ci, par-là, à des moments donnés, mais ce n'est pas une règle. Étant donné que vos ambassadeurs sont appelés représentants permanents, je me demande si vous savez exactement pourquoi on les appelle représentants permanents. La permanence vient du fait que le Conseil de sécurité siège en permanence. Ça peut être à minuit, ça peut être à 3 heures du matin, ça peut être à 2 heures du matin. C'est pourquoi vos ambassadeurs ne sont pas des ambassadeurs simplement. Ce sont des ambassadeurs avec le titre de représentant permanent. Je dis, et cette année-là, où le mandat de l'intervention des Nations Unies, après que tous les préalables aient été épuisés, ce mandat a été pris de placer sous le chapitre 7, l'Afrique avait trois représentants au sein du Conseil de sécurité. Et le président qui me demandait m'a répliqué immédiatement, quels étaient ces pays? Et j'ai commencé, j'ai dit, votre pays, monsieur le président, était membre du Conseil de sécurité en ce moment, et deux autres pays étaient membres du Conseil de sécurité. Il dit, mon pays? J'ai dit, oui, votre pays. Vous pouvez vérifier. J'ai porté ce boulet parce qu'il a rappelé son ambassadeur sans coup férir. J'ai dû l'amener à un moment donné à le prier au gré d'une visite avant la guerre, enfin, avant l'intervention qu'on préparait pour le Zaïre à l'époque et avec l'usage de ce pays. Alors, je suis passé là, je lui ai demandé après son ambassadeur, je lui ai dit, j'ai la mauvaise conscience. Bon, finalement, il m'a compris et il l'a affecté. Tout ce temps, il chômait.
il l'a affecté à une autre fonction. C'est dire que les relations diplomatiques au niveau le plus élevé doivent être lubrifiées par la fluidité des contacts entre celui que vous commettez et le ministre des Affaires étrangères et vous. J'ai vu des cas où des présidents ont rendu des visites préparées par des ambassadeurs. Ils sont allés, quand ils viennent, pour une raison ou pour une autre, la délégation qui doit aller à la réunion finale, s'il y a surtout problème de sitting, les ambassadeurs ne participent pas. C'est le ministre des Affaires étrangères qui est là et l'ambassadeur n'est pas là. D'abord, on présente cela comme une mauvaise image au pays qui reçoit, au pays d'accréditation. Je vous conseille, je vous dis tout cela pour vous dire que vous ne devez pas tomber dans cette situation parce que ça ne servira pas à grand-chose. Mais une chose très importante, savez-vous qu'il y a l'Université des Nations Unies? Combien de diplomates le savent? L'Université des Nations Unies, dont le siège est à Tokyo. Et d'ailleurs, la langue, la seule langue qui est pratiquée là-bas, dans cette université, c'est le français. Et ça a une raison historique. Ça a été créé en 1973. Ce n'est pas une université classique comme les autres, avec toutes les disciplines, mais c'est une université qui permet de mettre un lien entre toutes les universités de la Terre grâce à des jeunes diplomates, l'âge allant de 18 à 30 ans. Quand j'étais à New York, j'ai réuni le groupe africain. Je leur ai dit, ce sont des choses dont vous devez vous donner. L'université, le recteur est à Tokyo. Le vice-recteur est en Allemagne. Et il y a une autre branche à l'UNESCO à Paris. Ce sont des endroits où l'éducation de nos jeunes peut être accrue. Et ça peut être très bénéfique pour le continent africain. Parce que, honnêtement, le taux de natalité est élevé. C'est un atout formidable quand ailleurs ça baisse. Mais cet atout peut être un cauchemar si jamais on ne trouve pas l'imagination nécessaire pour pouvoir aspirer tout ce monde dans des emplois décents qui leur donnent de l'espoir et qui font d'eux les véritables dirigeants de demain. Alors, je ne veux pas trop continuer parce que je sais que ça a pris trop de temps. Et ces conseils, quelques conseils que je vous donne, prenez-les avec assez d'intérêt et maintenez aussi les contacts entre vous. Parce que c'est par ces contacts et par ce type de forum, et je félicite Lagrange qui m'a donné l'occasion d'y participer, je voudrais vous dire que vraiment, je serais heureux de voir comment ça va continuer. Vous savez que beaucoup de conventions ont existé à travers le monde, certaines qui ont été faites pour déclencher des guerres, d'autres qui ont été faites pour finir des guerres et redéfinir les capitales, les territoires. La convention la plus connue, c'est la Convention des relations diplomatiques, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Prenez le temps de lire cette convention-là. Et la convention qui est ajoutée à ça, c'est la Convention, n'est-ce pas, sur les relations consulaires. Ça définit tout le protocole, l'immunité et tout ce qu'il y a en dehors de tout cela. Alors, soyez sûr que si vous prenez connaissance de ça, ne pensez pas non plus que ça s'arrête à ça. Réciter, intégrer totalement ces conventions, c'est une chose,
importante, mais il est du diplomate comme il est d'un footballeur. Le sélectionneur, l'entraîneur te dit, tu dois être à telle place, poste d'ailier, quand tu l'as, où tu faut tirer vers le goal adverse, il te donne ses conseils. Mais sur le terrain, tu es guidé par non seulement ses conseils, si c'est possible, mais surtout par tes instincts propres. Et c'est là la délicatesse de la diplomatie. Je peux vous citer un exemple pour terminer. Madeleine Albright, secrétaire d'État aux États-Unis, que j'ai connue quand j'étais aux Nations Unies, elle était d'abord représentante des Nations, des États-Unis à l'ONU, on s'est connue là. Elle est venue au Nigeria et elle a fait tout, son ambassadeur a fait tout pour que le Congrès nigérian la reçoive pour livrer un message. Mais les Nigérians, peut-être à juste titre, ont dit non, eux, ce Congrès ne reçoit que des chefs d'État, elle n'est pas chef d'État. Et ça, elle a dû mal le prendre. Mais après, on lui a dit que j'étais là et elle m'a appelé pour me dire qu'on lui a dit que j'ai la CEDEAO à l'un des plus beaux bâtiments, une belle salle de conférence. Et selon des députés, les congressmen, ils pourraient venir là, l'écouter. Mais ça ne peut pas être au Congrès. Est-ce que je peux les recevoir et la recevoir? Bien naturellement, j'ai dit oui. Et c'était quelle heure? 16 heures. Jusqu'à 15h30, aucun Nigérien. Et c'est là que l'instinct joue. Le bureau de la CEDEAO était presque entouré des maisons des fonctionnaires de la CEDEAO. Je leur ai demandé, j'ai appelé le directeur de l'administration, j'ai dit, laissez, il ne reste plus qu'une heure de temps, je vous donne ça, allez vous habiller en Yoruba, en Igbo, tout ce que vous voulez, et vous faites comme Nigérian et vous venez vous remplissez la salle. Elle ne doit pas avoir honte. Et c'est ce qui fut fait. J'ai appelé son ambassadeur pour le mettre dans le coup, parce qu'elle ne connaissait pas les congressmen, mais son ambassadeur les connaissait. J'ai averti l'ambassadeur, je dis, c'est pour te sauver toi, parce que c'est toi qui vas recevoir son coup. Alors, il faut que tu saches que ceux qui seront dans la salle, tu ne verras aucun congressman. Ils sont tous de la CEDEAO, mais habillés en Nigérian. Madeleine Albright était venue et elle était impressionnée. Impressionnée, je dis, elle a livré son message. Les questions qui ont été posées, on en a distribué certaines questions qui lui ont été posées et la boucle était bouclée. Voilà là où l'inspiration du diplomate doit jouer. Là où ton audace doit jouer. J'ai rencontré beaucoup de cas comme ça et je ne peux pas vous les citer tous. Et je m'arrête là. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre Lansana Kouyaté, surtout pour cet dernier exemple. Vous comprenez les jeunes diplomates ce qu'il faut faire. Et les exemples comme ça sont légion. Voilà l'intuition sensible d'un diplomate pour satisfaire non seulement l'ego, mais aussi les intérêts. Mais aussi sauver son homologue, voire son collègue. Parce que la diplomatie, c'est à la fois un art métier de négociation et de gestes. Et parfois, ce sont les gestes qui comptent, à condition, comme il nous a dit le Premier ministre, d'avoir un cap, d'avoir l'idée, une haute idée d'un pays à défendre, c'est-à-dire les intérêts de ce pays, et que la diplomatie reflète la réalité intérieure d'un pays. Donc nous comprenons très bien que ce qu'il faut faire pour le moment pour notre Afrique, c'est renforcer les organisations régionales d'une manière économique,
d'une manière politique, mais aussi d'une manière sécuritaire pour aller vers cette union continentale tant souhaitée par les pères fondateurs. Parce que dès le début, nos pays avaient notre préoccupation de reconnaissance des indépendances, de souveraineté, que de se préoccuper des questions économiques. Et puis l'époque aussi, c'était de traiter la politique que de traiter l'économique. Aujourd'hui, maintenant, on traite l'économique pour traiter la politique après. Donc, on nous avons eu comme si il y a toujours les cycles de vie tous les 30 ans. C'est normal parce que, bon, pour comprendre le cycle de vie, c'est comme un individu. Dès la naissance jusqu'à 30 ans, c'est l'apprentissage, ce sont les études. 30 ans, 60 ans, à part que ça commence à être chamboulé, c'est plutôt la période de vie active et de travail et de se préparer à la retraite. De 60 ans à 90 ans, c'est la retraite et vers d'autres options inconnues. Donc c'est ça un cycle de vie. Si vous regardez même dans un pays, tous les 30 ans, enfin approximativement, tout près de 30 ans, tous les 30 ans, ça se produit un événement. Si vous regardez le monde et vous prenez n'importe quelle année, vous voyez que tous les 30 ans, ça se produit un événement. Donc, tu changes toujours le cours du monde, d'un continent, d'un pays. Dans les années 60, c'était des indépendances. Dans les années 90, ben, c'était 30 ans. C'était quoi? C'était l'effondrement du mur de Berlin, c'est-à-dire des idéologies qui structuraient les pays africains en blocs communistes et capitalistes, qui sont devenus maintenant plutôt un bloc chaotique. Donc qui a inauguré tout ce que nous connaissons de sécurité, parce que la stabilité de deux pôles n'existe plus. Donc, ben, les 30 ans après, nous sommes dans le chaos qui est mondial et qui n'est pas africain, mais qui nous affecte autrement aussi, qui est la pandémie. Donc tous les 30 ans, il y a quelque chose qui se produit, et un diplomate doit aussi intégrer que dans tous les 30 ans, il y a quelque chose qui va se produire, mais qu'il faut anticiper. C'est ça, la diplomatie maintenant aussi, c'est l'anticipation. Ce n'est pas uniquement la programmation. Ce qui veut dire que, effectivement, l'harmonisation des politiques est très importante, le Premier ministre l'a souligné, l'intégration physique du continent avec les infrastructures, c'est très important que les traités, que les paroles, que les sommets qui n'ont jamais suivi d'effet. Et qu'un diplomate doit aimer d'abord la diplomatie et s'appuyer sur ses acquis intérieurs pour défendre les intérêts de son pays à l'extérieur. Que la diplomatie africaine manque de fluidité. La communication entre un chef d'État et son ministre des Affaires étrangères est surtout ses représentations les plus importantes pour que la décision soit collégiale, nationale et portée dans des organisations internationales. Il a donné un exemple d'un président qui ne savait pas qu'il siège apparemment au Conseil de sécurité. Non, parce que la décision qui a été prise peut-être a été arrangé entre l'ambassadeur et ses amis ou l'ambassadeur et son ministre sans prendre l'avis du président de la République parce qu'on a demandé à son conseiller diplomatique qui n'a pas pris la peine de les former. Et je termine par lire ce qui est dans les discussions que vous pouvez lire tout le monde. Merci Excellence pour cette intervention très édifiante. Déjà, je ne savais pas qu'il existait l'Université des Nations Unies. Vous voyez, moi-même, je ne le savais pas. Je pense que même le directeur du laboratoire, qui fut un diplomate de son pays, ne le savait plus, ne l'a jamais entendu, alors qu'il est allé dans des conférences jusqu'à Tokyo, pour son pays, quand il était au service du protocole national. Hein? Vous voyez, ce sont ces informations que les gens n'ont pas. Et c'est aussi, quelqu'un a écrit, l'intuition, l'inspiration, l'instinct. Merci, monsieur le président Lansana Kouyaté. Je pense que le premier ministre, ce n'est pas suffisant. Il faut passer à un autre grade, c'est ce que les jeunes commencent à écrire.
Ah, tout à fait. Vous aurez un accompagnement des jeunes panafricains dans son dessin national. Au moins, ça vous permettra de mettre le pays sur les rails. Merci bien. Bon, je dis ça et je n'ai rien dit. Non, vous n'avez rien dit. J'ai rien Mais entendu. en plus, je peux redire que je suis dans le bunker, donc on ne peut pas me localiser. Bien sûr. Bien. Ça sera un plaisir avec Britton, l'ancien Premier ministre Margache. Nous avons, il y a le 6 juillet, dans le cadre de repenser la gouvernance africaine post-Covid, aussi de restituer Mandela, mais avec le laboratoire et la structure également de l'Université Mohamed V. Nous avons fait plusieurs conférences sur le penser, la politique, la féminisation, l'agénissement de la politique africaine, avec d'ailleurs l'ancien Premier ministre malien, le jeune Moussa Mara, et sur repenser la diplomatie nationale africaine sur avec une vision panafricaine, avec votre collègue, effectivement, Maalifi de Madagascar, Olivier. Mais aussi avec d'autres conférences, que ce soit sur le penser la santé, avec les ministres concernés, notamment le ministre actuel de la santé de Mauritanie, et le penser la place des femmes, mais aussi avec la ministre du Maroc, de la femme, et le penser l'Afrique post-Covid avec la vice-présidente de la CEMAC. Nous avons fait ces conférences, mais il nous reste trois conférences. Ça sera avec un plaisir, on verra votre agenda. On pensait peut-être le 31 août, comme ça, parce que les vacances seront terminées, ça sera le début. Parce que nous, on s'adresse aux diplomates qui sont dans les missions, mais aussi aux fonctionnaires et au pouvoir public et à la société civile pour le penser globalement cette Afrique. Donc, ça sera la structuration stratégique des CER, donc des communautés économiques régionales, parce que dans le rapport que nous avons fait d'une vingtaine de pages, c'est qu'on a vu qu'il y a 22 organisations sous-régionales en Afrique qui ne servent pas à grand-chose et nous avons recommandé de supprimer au moins 14. Bon, c'est juste une recommandation. Et donc, vous voyez que ces organisations, dont les pays sont membres de plusieurs organisations qui ont les mêmes choses, c'est de dire qu'il faut une structuration stratégique. Et je pense que vous serez utile parce que c'est ce que vous avez développé ici, dans cette conférence. Donc, cette dimension de la diplomatie africaine doit s'appuyer sur le panafricanisme des outils. Nous, quand on parle de panafricanisme des outils, ce n'est pas le panafricanisme idéologique, c'est le panafricanisme d'industrialisation. Les outils, c'est l'industrialisation de l'Afrique pour transformer nos matières premières. C'est ça que nous, à l'Institut Mandela, nous appelons le panafricanisme des outils. Et c'est ce que vous avez développé, que vous avez développé très bien, l'intégration physique avec les infrastructures, avec l'industrialisation, avec l'harmonisation des politiques. Ce n'est pas les politiques politiciennes, c'est les politiques publiques qu'il faut harmoniser. C'est plus facile d'harmoniser les politiques publiques que d'harmoniser les politiques sécuritaires et diplomatiques. Dès que vous harmonisez les politiques publiques, les infrastructures, les outils de puissance, notamment l'industrialisation pour transformer les matières premières, comme vous avez donné l'exemple à l'ouverture, afin de fixer les prix des matières premières, au moins de les négocier, que de vous imposer l'achat de choses hybrides, c'est ça qui va faire la puissance de l'Afrique économique, qui va faire l'émergence de l'Afrique économique, qui va faire qu'en sorte, il faut accompagner cela avec la sécurité commune et la diplomatie commune pour éviter que l'Afrique maintenant va vers la somarisation, parce qu'il y a 5 ans, la sécurité était encore fragile et meimée, mais depuis, on voit dans le Sahel, on voit en Libye, on voit dans d'autres pays, maintenant on voit au nord du Mozambique, l'Afrique australe était tout à fait épargné, on voit que nous allons vers la sommarisation de l'Afrique. Si nous ne prenons pas garde, nous allons vers là. Merci encore, monsieur le Premier ministre, surtout de nous donner, de donner aux jeunes les conseils pour qu'ils ne tombent pas vers le travers que nous,
nous avons vécu parce que, au moins aujourd'hui, nous allons dormir moins idiots parce que nous connaissons qu'il y a une université diplomatique des Nations Unies à Tokyo. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci bien. Monsieur le directeur des laboratoires, à vous la parole. Merci, merci, président Kananoura. Je voudrais dire un grand merci au président Lansana Kouyaté, que j'appelle vraiment papa. Je l'appelle papa parce que depuis que je l'ai connu, il m'a donné tellement d'amour, il m'a donné tellement de choses que je ne pourrais jamais lui en être reconnaissant. Et je voudrais exhorter les jeunes ici présents. Je voudrais exhorter mes confrères, mes frères ici présents, à vraiment aller vers nos pères. Aller vers nos pères pour apprendre d'eux. Depuis le jour où la première fois où j'ai vu le président Kouyaté, j'ai tellement appris. Et même là, j'ai encore soif d'apprendre. Parce que nous avons tellement de défis que si nous n'allons pas vers eux, nous allons pleurer demain. Des générations vont pleurer et vont souffrir. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Lansana Kouyaté, cher papa, merci infiniment d'avoir accepté à la dernière minute. Je précise, je l'ai contacté à la dernière minute. Mais il a dit pour les jeunes, je serai toujours disponible et je ferai toujours ce que je peux. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je te remercie, Lagrange. Merci également au professeur Arakat. Merci à chacun de vous ici présents. Merci au président Kananoura. Le président Kananoura également, depuis une dizaine d'années, n'a pas manqué de me conseiller, n'a pas manqué de me dire « Ah, petit frère, voici. Attention, tu n'as pas droit à l'erreur. Nous avons fait l'erreur, mais tu n'as pas droit à l'erreur. » Président Kananoura, merci. Merci. Au ministre Brito, qui a accepté également de nous donner de son savoir. Monsieur le ministre, merci. Recevez à travers ma voix le témoignage de reconnaissance de tous les participants à ce panel et à ce forum. Et permettez-nous de ne pas manquer de vous déranger. Nous vous dérangerons chaque jour. Papa Lansana Kouyaté, Papa Arakat, grand frère, Paul Kananoura, nous ne manquerons pas de vous déranger parce que nous avons besoin de votre savoir pour pouvoir réussir, pour pouvoir vraiment donner cette bonne image de notre continent. Merci infiniment. Je ne vais pas dire plus, je ne vais pas abuser de vos agendas et que Dieu nous bénisse. Bonne fête à nos compatriotes. Bonne fête à tout le monde. Merci. Merci. Bien.